Donc nous voici sur une piste rouge, sympathique, qui est la piste qui s'appelle la Madou. Alors je vais mettre mes lunettes, puisque je les avais oubliées. Et on y va. On commence par un virage relevé, une descente à fond, la caisse suivie d'un saut, voilà, qui décolle pas mal. Hop là, un petit saut en virage, assez agréable à passer. Un autre virage, un saut encore en virage, hop là. Des petits virages en S, et on attaque une autre partie. Nos petits panneaux sympathiques qui indiquent que c'est très raide. Donc là, on va passer là. Oh, mais ça va. Franchement, un petit peu raide quand même. Mais c'est jouable. Là, on passe sur des rochers. Hop là. Là, on est un peu plus sur du plat. On va attaquer la deuxième partie de cette piste rouge. Alors encore un panneau qui indique que c'est raide et trialisant. Quelques pierres pour l'instant. Hop. Voilà, là c'est assez technique. Il faut être très très en arrière. C'est la roue arrière qui dérape tout du long quasiment. Et on corrige la trajectoire. On a besoin de déraper la roue à gauche ou à droite. Là aussi, des rochers. Un petit S. Hop, un autre. Là, c'est assez raide aussi, mais ça va bien. Là, on lâche les freins. Hop là. C'est agréable parce que c'est un petit peu descendant mais pas trop, et surtout les virages sont très doux. Hop, ah tiens, j'ai oublié, il y avait un petit rocher à sauter. Hop.
Voilà, nyong. Là, on est le vélo très incliné. C'est assez marrant. Et on va attaquer la partie en sous-bois. Allez, on est dans les sous-bois, un peu plus gras. Hop. Et assez glissant, donc technique. Là, on saute un petit peu, là aussi, hop là, pour atterrir dans le virage. Ça a mal au bras, mais c'est pas grave. Dernier sous-bois avec un petit saut ici en tournant. On va attaquer le sob style. Hop là! Et on saute. Une petite table. Hop! Des rondins. Là, on saute encore. Et il y a un gros drop. Une passerelle assez balèze. Et voilà! Mais qui passe bien. Et nous revoici à l'arrivée.